La deuxième invitation. Nous sommes fiers et accueillis par Kerboza et Bélé pour Nakosu qui s'en abisso semaine, tous à vendredi 16 juin 2023. Merci pour la fidélité, Nabino. Et surtout, clin d'œil, la bande de Koya Lubumbashi, au bazar, Kolanda Bisso, Kuna, Nyota, Télévision, Topé Sibino, réaction na ba différentes émissions Oyo Boza Kolanda à partir Yakuna mais aussi Bandeko Baza Libanda ya République démocratique du Congo Topesipe Bango Mbote. Lobby ezala qui pratiquement un discours de revoir, oui, de revoir provisoirement parce que législature na République démocratique du Congo il y a 2018 est commis na souka Christophe Mboso président de l'Assemblée nationale sokoyo qui discours na malamu au ressentir vraiment que c'était la fin azako laka déjà député que c'est fini mutura mutazonga na base na ye akende non pas ko solana bango po ya ko zonga mais akende pona ko senga confiance na bango po ba renouveler li susu yé na siège na assemblée nationale. Voilà, Oyo a exhorté qui ba député na clôture ya session de mars. Session de mars sili et égale session budgétaire ya septembre. Alors session budgétaire ya septembre ko kende mais coïncidence tango session on a dès que ça ko démarrer et ko kutana na campagne électorale selon calendrier ya commission électorale nationale indépendante et yango ko mabiso droit na élection le 20 décembre 2023 et élection on a et ko za la présidentielle et ko za la paix législative nationale et provinciale. Donc c'est cette année qu'on va renouveler Parlement Nabisso. Alors, Tolingi, tu as évalué, parce qu'on a passé le temps, il y a qu'à évaluer président de la République comme institution à Salinini. Quel est son bilan? Mais, Nzo Kaza paye mon côté, Likambo ya mandat, et ça, Kakapo n'a présenté, et ça, Pepo n'a élu. Alors, Tolingi, peut-être ça, la coup de projecteur sur Parlement Nabisso. Est-ce que Bazala qui est à la hauteur depuis 2018, Kino 2023? Toko solo la, makambwana nyoso, nande konabiso Flori, beya, ya Kabila Forêt Vert, Zanabiso Elongo, ndeko Flori Mbote. Oui, merci beaucoup. Moi namboka Jacques Dikou, napesi Mbote na bandeko, to partage na bango plateau, na tongo ya lelo. Napesi Mbote na autorité morale nanga Joseph Kabila Kabange, kasi ndeko Jacques Dikou, okope sanga moi quelques minutes pour napesa biscuit nanga. Vous connaissez comme moi que Fabrice Lucindi, ou Azalaki, ancien DG, il y a SNL, Azalaki déchi par bah, député nationaux. Maintenant, bah, Mikolo et Outi Koleka, qu'est-ce qui s'est passé? Ndeko Fabrice Lucindi, dimanche, aye na kabakata ya peau de fleurs, na moutou moko, na ebite, ce qui a comme Mikolo, na Flair a commis jardinier, a mis en gona Kati Asnel dimanche, bien qu'Azalaki suspendit par le Mineta, le ministre d'État, il y a portefeuille. Mais elle a coté Nango, la caméra Asnel, il y a deux vidéos, j'ai aussi ces vidéos. La réalisation de cette image, quoi qu'elle vous propose, Bissou. Oui, merci beaucoup. Elle a coté Nango na Kati, maintenant voyez ce qui s'est passé après. Voilà, voilà, couloir, c'est bien flou parce que les caméras de surveillance. Et DG suspendu Yekuna Liboso à bureau, mais Moutameme lié, c'est-à-dire fleurs, gerbes, tu évites ce qui m'attend, les anasnel ou comment. Oh, justement. Maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avérait que dans le conseil de ministre Outaki Koleka, Ndeko Antoine, a pesa qui ordre dans le ministre et la justice, aye bisa, conseil d'État, va remettre Ndeke Lucindu en ordre. C'est-à-dire que Bazongi Saye, DG Yasnel. Mais maintenant, naïe, l'article 69 de la Constitution, Nabiso Balobaka, le président de la République, Azali, symbole de l'unité nationale. Mais dans l'article 101 de la Constitution, le Parlement, les députés nationaux,
bazali bazo représenter nation. Et quand on parle des nations, basalaga allusion, il y a ethnie, peuple, communauté humaine qui se possède à une unité historique, c'est-à-dire que bah députés nationaux bazo représenter peuple. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Au moment où il y a une recommandation, il y a des députés nationaux et il y a une loi. Ceux qui sont députés nationaux vont recommander. Je rappelle qu'au finish, les députés ont une révocation. Il y a le directeur général de SNEL pour incompétence. Justement. Mais awa, au moment où il y a un article 92 de la Constitution, il y a un premier alinéa, le premier ministre assure l'exécution de loi et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au président de la République par la présente Constitution. N'ayant pas fait cela pendant les 30 jours au Essengelaki, n'ayant pas révoqué qui est, n'ayant pas déchoirier, et ça les m'a quitté, et que ça les m'a, ou y'a pas bengaka, outrage au Parlement. Maintenant, article 165, na dernier alinéa, nango balobi, il y a outrage au Parlement lorsque, sur des questions posées sur l'une ou l'autre chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de 30 jours. Mais depuis Bablongola Kinani, Badechoir, Lucinde est l'équipe déjà 30 jours. Mais ce qui est sikoyo, il y a outrage au Parlement. Tokoko t'as une crise institutionnelle entre le président de la République, na parlement, na ba cours et tribunaux. Mais na sengi siko yoboe. Comme Ndeko Antoine alinga kaba incompétent mingi. Comme Ndeko Antoine parlement représentant que l'autre côté ponaye. Décision yaba député nationaux yazo bafoué yango. C'est dans ses habitudes. Alors comme Ezali Bongo, na sengi na Pepe Mboso a démissionné pour a garder ba valeur naye. Na sengi siko a démissionné kaka pambate. A bengi sa premier ministre Sama Lukonde ba déchoir ye parce que a respecté pa mener les principes normal te ya makambo nenge elekani. Et esu kaka kawanga te ba benga nande ko Antoine parce que c'est sous sa bénédiction selon les informations qu'on aurait en notre possession. Maintenant, ce qui est grave, c'est quoi? Batou moussousou baza pemeni Ndeko Antoine, bazo sunga ete. Bazo e bisaye que non, c'est la volonté ya babenga ngonini, Banque Mondiale. Volonté ya Banque Mondiale ndalingi que non, Fabrice Lucinde azalawana. Mais Banque Mondiale a travaillé kana ba institution, a travaillé kana moutoute. Et comment est-ce que Ndeko Antoine a zon di maloukouta ya niveau wana? Il accepte que un incompétent basa la forcing azala kaka place wana parce que Banque Mondiale a lobby que po abimisa mbongo a soutenir ben institution ya mboka na biso, il faut Fabrice Lucinde azala kaka DG ya SNEL. Merci. Donc on retient que le député singa ki révocation ya DG ya SNEL, ministre d'État, ministre à portefeuille, à suspendre à titre conservatoire. Et selon le texte, 30 jours, il fallait gouvernement, premier ministre, à se prononcer dans le sens, il y a recommandation, ce qui n'a pas été fait. Justement. Donc, on sous-entend une crise déjà en gestation. Ouais, voilà. Crise institutionnelle. Merci pour la parenthèse, Zouana. Tozana Cédric Bienguele, Azana Bichelongwa, Union Sacrée, Ndeko Cédric Mbote. Mbote Ndeko Jacques Dikou, Mbote na ba Kongo manyo so baza kolanda biso au travers émission Le Grand Forum et puis Mbote na ba anyo so ya kimante ke na ba anyo so ya cham na lingi na me ka un peu ko recadrer Ndeko nangai parce que à tangi ba disposition constitutionnelle il a parlé que les chefs de l'État a commis ko sala inféodation na parlement na ebisio te Ndeko article 68 ya constitution na biso et énumérer les institutions. Ok, il y a article 100, il y a une mission législative dans le Parlement. C'est le Parlement qui est l'organe habilité à contrôler l'action exécutive, l'entreprise publique, conformément à Mibeko. Ce qui est l'article 148 de la Constitution, c'est qu'il faut diviser l'institution, c'est-à-dire le pouvoir. Pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, c'est indépendant au regard des autres pouvoirs. Je reviens, quand Olobi était chef de l'État, tu as parlé naba outrage, chef d'État commis ko intimidé. Moi, je pense qu'il ne faut pas rester en termes de soupçon. Il faut plutôt que le ministère soit fait aux ezali réel. Parce que, de par notre constitution, il n'y a aucune possibilité que les chefs de l'État
il a pour na copé ça ba injonction moko na ba décision judiciaire. Le chef de l'État n'a aucun pouvoir ya copé ça ba injonction moko na ba o abenga ba navette parlementaire. Te ekokende ndeko, ce qui faudra parler du bilan de y a ba parlementaire. Le bilan est focalisé tout ça dans la bilan T, c'était une parenthèse pour la direction il y a SNEL déjà suspendu justement sur recommandation ba, non, pas la recommandation, c'est parce que c'est le parlement de Moutaza qui n'a pas exercice constitutionnel ou ba mission constitutionnelle ou ba PCI. Il y a qu'au contrôler entreprise publique. Lorsqu'il constate qu'il y a des failles, il va faire des choix DG. Où est le problème du chef de l'État? Aujourd'hui, les conseils d'État, bah qui peut décider autrement? Parce que au regard, il y a l'article 148 de la Constitution, le pouvoir des élites divisé verticalement comme horizontalement. Maintenant, à quoi servirait que dire que non, c'est le chef de l'État qui est derrière cette affaire? De ces alliés qui suivent cours judiciaire dans le monde normal, où est le problème du chef de l'État? Merci. Moi, je ne vois pas même pas les portails de cité. Voilà. Blanchard Moundele, Zanabiso, et Longoua, Nouvelle-Hélande, de quoi Blanchard Mbote? Mbote, moi, je suis vraiment, Mbote, je suis Congo, l'Union, surtout, Mbote, je suis continent, surtout à Nouvelle-Hélande. Premièrement, je suis Mbote, je suis initiateur et parti politique Nouvelle-Hélande, Oazali Bon Adolphe Mozito. Mbote, je suis président pour l'Emboma, Oazali dirigé Bisso, le CG Blanchard Mongomba, Joël Lopez. Le président national de la jeunesse, et puis je parle aussi un grand bonjour à Alain Choukourou, Ouazabon chargé à ma communicateur. Voilà, dans les gens, on a recadré un peu de lorsque Ouazabon Makamondego fleurit, Azakoloba, Ezako Rente. Vraiment, j'aurais souhaité que l'émission de l'OPENA ait la très catégorique, Batouba, l'Annabiso, BPT, je l'ai vraiment posé dans le plateau. Soyez au temps d'un article 69 à la Constitution, le Biboui. Les présidents de la République et les chefs de l'État, ils représentent la nation, il est le symbole de l'unité nationale, ils veillent au respect des institutions. Il assure par son arbitrage les fonctionnements réguliers des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Les institutions publiques de l'État. Azawana lokola moto akuzalawana lokola mokengeli ya mibeko ya l'État. Sentinelle au fait. Sentinelle. Moyen moto atambola libanda et alité pour être mboka etambola malam, ye il faut azalawana soki moto akena lolenge mwa mabe azongisi na nzela pomboka etambola malam. Mais quand vous venez vous défendre violation de la constitution, alors que M. Félix Tshisekedi est un démocrate d'abord dans son parti politique, l'IDPS dans son sigle, moi je ne comprends pas, nous sommes où? Donc je pense que pour Mboka Tambola, vraiment malamou, démocratie, il faut les avoir bien respectée. Démocratie, peut les aliments pour respecter les règles fondamentales, où il y a la constitution, la bissou. Pourquoi tu as dit que tu manipulé? Donc ce sont des choses que nous, on veut voir, même nous, Vélénan l'a dit. Même quand une personne veut diriger le pays, la personne doit nous présenter les programmes et les projets des sociétés. Oh, nous devons nous diriger dans Mboka. Parce que déjà, ceux qui ont un programme, un projet des sociétés, à cause de la bien fixée, il y a un projet pour réaliser le projet. Oh, voici ce que la loi me demande. Pour réaliser, ah, mon bébé, c'est un peu comme ça, Mais quand les fleuris prennent cette option, moi je pense que ça est l'eau comme moi, malamou, on ne peut pas se voiler la face. Quand il y a la violation de la constitution, il faut aider Félix Tshisekedi pour que Mboka et Tambola Malam a sanctionné l'insurrection. Merci. Alors, Toza, Koyamba Pende, Konabiso, Prince Kinana, il y a CRD, je crois, je n'ai bien prononcé, parti à Christophe Mboso. Alors, ça coïncide bien parce que Prince Aza, auteur, il y a tribune, Moko, lobby, envahi, réseaux sociaux, la tribune, ben, il est parmi bateau, ben, alerté, bichon, on sait que c'est pas SNEL. Dis-nous un peu, matin, il y a SNEL parce que c'est une histoire de fleurs là-bas, qu'est-ce qui se passe? Mbote na yon de Kojak, mbote na ba Congolais, si ka ba Kolanda biso de par le monde, mbote na bande kobali na technique, na kope sa mbote na wayambo, le de ou soli, les garants de la nation, la haute autorité politique de l'Union sacrée, Félix Antoine Ketchilombo. Bozo ba accélère ga ba kombote na fin mandat. Mbote na, le de ou so ex machina, le kouks sonorum, le patriarche de la République, qui sauf Mboson Kodiampoanga, le président de l'Assemblée nationale, gardien de la démocratie. C'est vrai, je confirme, na comment qui tribune lobby, parce que Bissot, Tozaliwana, Pona, Koumema, la refondation de l'État, Tata Mondrekolo, Aedan, Angolo, la vision. Nous voulons que ce pays atteigne réelle émergence, réelle émergence, Nango. Parce que le dimanche 28 mai, le Golusine de qui a été suspendu, je crois, déjà Token débat, 3 mois déjà ou 2 mois. A Kenda qui na bureau, na direction générale à SNEL. Dimanche le 28 mai. Sans que Matangé Zalakuna, sans que fête Zala ou anniversaire au thé, je peux aussi la sukunate. Avec une fleur, accompagné de monsieur, non, image Yangwa la merci. Heureusement que les réseaux sociaux font fuiter biso image, caméra de Timothée. Nde koyena fleur à Koti, au coup de l'image à Liboso. Moi, j'ai vu des vidéos, il y en a plus de 8.
bah service au niveau ya conseil à SNEL bah l'inde ko tam sa on a noté par peut-être dignité bah oser la procureure à se saisir d'office ne va compte avec cette fleur il est allé comme ça bah pratique fétichiste bah incantation moro ignoble na tati ya biou. Donc, qui bonganga na bah, service public de l'État, c'est mais, dit que nous avons appelé la SNEL, en tout cas certains dirigeants SNEL, bah, confirmé Bissofiona qui détiennent des images, mais qui peuvent pas mettre des images. À je vous dis ignobles. Que Moutazo Robina, des images ignobles à Kobina pour ça la bah, cérémonie à Tchemoutou Nassé et Simalikolo dans le DG. Mais c'est Lucinde. Na kati ya bureau ya l'État, où il y a déjà Azali suspendu, tout le monde révoqué. Parce que l'Assemblée nationale est recommandée. Ma position est exacte, quand il y a une musique, il y a un ordinateur, il y a une musique exacte, papa. Attends, un dimanche 28 mai, il y a au salaire de Soukounate, bureau, ok, ok, salanine, na fleur mystique, anniversaire, mon côté, dans la Yikounapote, à quel opé sa fleur, on n'est pas moutouté. A quel qui tient mon bureau, naïe, à vos papa maï, à vos bolama, vos salaboué, kubina bina, kosambela. Des images, on aime ça que ce qui est bimi, scandale, kosalema. Voilà pourquoi nous en appelons au procureur à se saisir d'office. Parce que la pratique, elle est pour IB. Mais il y a un schéma. Quel est ce schéma? Dans le website, le président de l'Assemblée nationale ne va pas démissionner. Parce que Christophe Mbosso, c'est un fidèle et loyal. Il s'est donné à soutenir certains écoles pour que vision naïe aide à la matérialiser. Les députés nationaux qui sont membres de l'Union Sacrée vont soutenir les chefs de l'État. Mais les amis de Lucinde, qui défendent à Lucinde, entre autres, moi je vais citer des noms. Alingete, Nicolas Kazadi, ils tiennent coûte que Lucinde rentre à la SNEL. Pourquoi? Lucinde, il avait un plan. Quel était son plan? Il y avait qu'on déclarait SNEL en faillite pour que la Banque mondiale atteigne mon solo. Le coup là-bas, c'est ça qui plane à Bangote. À ça, il y a un rapport à la Banque mondiale devait envoyer de l'argent. Pour le moment, il faut Lucinde d'ailleurs pour qu'il agère un bon à la COP, il faut continuer. Parce que le fait qu'il y ait un directeur financier, directeur de trésorerie, ou Kotoboui. Maintenant, Étienne, est-ce qu'ils veulent instrumentaliser la justice? Ben, instruire madame la ministre, ministre d'État, ministre de la Justice, et Gardso, aille bien sa conseil d'État, bas sur soir, décision de l'Assemblée nationale. Place Sikoyo, Conseil d'État est vraiment outragé en Parlement, n'est de refleurer à l'objet. Mais c'est un schéma où le Tata Mondjeko l'a permis de traiter. Au nom de l'article 69, on va citer, à moi je vais l'appeler à la arbitre. Parce que nous voulons cette cohésion à l'unité nationale dans Mboka Labiso. La stabilité institutionnelle, toujours à quel prix? Imaginez-vous, bah, sarcasme entre le bureau Mabunda et l'institution présidente de la République. Maintenant, aujourd'hui, qu'il y ait les abats de la nation, qu'il y ait un côté entre l'institution qui travaille pour la Maramou et Nimalam, que cela vienne être bafoué par les amis d'eux. Parce que l'imbazon qui s'est montré dans le but, tel le nom de la SNEL, il y a un courant comme Vanda depuis Akinda. Courant comme Vanda quand même. Des travaux comment ça les mains les déchets qui assument l'intérim à qui on va relancer les travaux Lucinde a bien ça qui projet pas le bilan de SNEL. Écoutez, je ne dis pas le bilan. Vous savez que Lucinde a bloqué les projets d'électrification à Kabiera Mwanga. Mais je vous dis projet à l'électrification à Mbujima à Kenaiko Tchaba Baba Nini, comment on appelle ça, centrale photovoltaïque. Il vient à peine d'être relancé maintenant. Mais c'est lui. Projet à Kengetse, on compte un moutou moutou, tu vas voir, c'est un homme qui soit voulu manger l'argent, pourtant, bon, tu vas jamais la décaisser. Il a fallu la signer pour que le bailleur de fonds appelle son bon. C'est lui. Bah, conteneur et le matériel, la SNEL, le vendeur de matériel, il s'attend qu'il est là presque 8 mois. C'est lui. Bah, il paye. Bon, moi, je t'ai que Foumouri, mais Ando, il va l'état par manque, il y a compteur dans la ligne ostensible. C'est lui. Mais ses amis qui sont proches du chef, bah, Lingi, Tokota, en violation flagrante à constitution. Alors, on retient quoi, Poto Longwana, la dossier on a, ce qui est ministre de la Justice, ou peut-être Conseil d'État, bah, Lingi, bah, remettre en cause, bah, se prononcer sur résolution à l'Assemblée nationale, ça serait un problème. Une violation grave. Et il y a outrage au Parlement. Et déjà, le coup, la délai pour que l'équipe, il y a 30 jours, il fallait que le gouvernement se prononce. L'Assemblée nationale peut rester en justice. Pour non-respect à délai. Pour non-respect à délai. Mais moi, je vais demander au chef de l'État, nous savons votre savoir-faire, peut-être au séparation des pouvoirs.
to yebinenge o respecter la constitution ba humeur pour na ko satisfaire bato to boy la banque mondiale ne traite pas avec les individus. Lucine ne peut pas représenter la RDC au niveau de la Banque mondiale. La Banque mondiale a bandé au pays sans mon amour à on a différents projets. Lucine n'était pas là. Pourquoi Étienne coûte que coûte car Lucine dans son anasnel? Quel est le plan macabre? Ma question a remis tout la tribune dans les commandes. On a pourquoi yangwana? Merci. Quel est le plan macabre? Bon, on va linga yazon. Merci. Et pourquoi il chante déjà victoire? Parce que selon des langues, il a qui un discrédit, bah lobby que. Il va déjà rentrer coûte que coûte. Mais je ne sais pas pourquoi quelqu'un qui a été traité d'amateur, de cacocrate, de médiocre, d'incompétent. Bon, pour que merci Ndeko Prince. Que les procureurs l'arrêtent parce qu'il y a un bureau à l'État des pratiques fétichistes. Je vais demander au conseil d'administration SNEL de rendre publique ma vidéo. Cette vidéo doit être rendue publique. Il y en a 8. Neko ako sala ba pratique ya kibonganga na bureau d'état ce qui est sur le bac en prince kinana ben voilà tout ce que nous voulons c'est d'éviter ma crise hein de mbokeza déjà na ba problème ebelé to se focaliser na ba solution na ba problème on a n'ajoutons pas d'autres problèmes parce que on veut défendre un individu et même si cet individu a zaté belé bazawana bazolu kapé misala ba fonction alors ba zapété Congo zo continuer il ne faudra pas que le Congo s'arrête à cause d'un homme et tout manipuler mes institutions pour créer ma crise déjà ça sent mauvais alors tu éviter qu'on amplifie situation mais bon ganga là bas bureau ça il faut éviter papa Molière bande que le bengo tendant mon roi blague mais si quoi tout le monde a bah réalité mais sur le bon biba image on risque de dire que c'est que binomoko bozape battu à y a niveau ana alors il faut éviter bureau Moussala c'est l'administration bah le binom Moussala sili bekanga bureau bimana okende orozon Moussala mususu. Mais éviter de danser, éviter de faire des choses, ce n'est pas intéressant. Et ça, biloko, il y a l'État. Dès que tout le bac qui s'est fini, pour la session, il y a mars, l'Assemblée nationale, clôture. Et dans le discours, il y a Christophe Mboso, cap déjà, et ça, pour la bah, élection, Oyo et Zalikoya, en d'autres termes, législature est commis na souka. Toyoka, Christophe Mboso, lobby, na clôture, il y a session, il y a mars. Honorables députés, chers collègues, après un travail bien accompli pour lequel votre bureau vous adresse ses sincères félicitations, je vous exhorte de retourner auprès de nos bases respectives afin de présenter brièvement les bilans de la présente législature et de déposer les dossiers de nos candidatures afin d'obtenir le renouvellement de la confiance de nos électeurs aux prochaines élections législatives. Sur ces derniers aspects, je souhaite aux uns et aux autres bonne chance. Que le Seigneur très haut nous accompagne, vous accompagne. Je ne doute pas un seul instant que chacun de nous a servi la nation avec dignité et responsabilité en s'acquittant de nos deux principales missions constitutionnelles, à savoir légiférer et contrôler, ainsi continuer de mériter de la confiance du peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2023. Mais bravo à Christophe Mboso, Monsieur Zomona Nanoua, Zotanga sans lunettes, je crois que ça va. Alors, Flori, n'a retenu, n'a malouba Christophe Mboso, c'est presque un petit discours bilan au Yassali Alobi, le travail bien accompli. Azafier, Nayango, alors ça nous permet justement, il y a pour dresser le bilan, pour Mboso, la session, travail Zagi Kitoko, mais tu élargis Yango dans la législature Mobimba en 5 ans, on l'a dit pour l'institution président, mais on doit le dire également pour le Parlement, est-ce que le travail a été bien accompli? Par exemple, bah, statistique, bah, lobby pour la session de mars, Oyo, 22% seulement il y a travail, oui. Oyo, bah, Sali. Alors, comment appréciez-vous législature Oyo Zakosila? Merci beaucoup, moi Namboka.
Pepe Mbosso, il faut qu'il y ait des retraites politiques. Ah, je pousse à ni. Batinga maka, nini mbongo, bolingo ya mbongo, mnetina niveau anate. Il faut pas permettre à Pepe Mbosso, nana benga ke le prince de Moutouache. Le prince de Moutouache, parce que Pepe Mbosso azalaka mou pape. À l'époque, il y a Mobutu. C'était lui d'ailleurs qui recrutait Batou pour babine la Mobutu. Ça, je passe. Maintenant, bilan, il y a session, il y a mars, c'est vraiment échec. Et ça, échec, il y a Makassi. Pourquoi est-ce que ça, échec, il y a Makassi? Beaucoup monde a que le gouvernement a affaibli les députés. Parce que session, il y a mars, c'est là qui essentiellement pour le contrôle parlementaire. Mais beaucoup monde a que contrôle parlementaire, mon côté Salemi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Basali, huit plénières. Je dis bien, huit plénières pour accord de prêt. C'est-à-dire tout simplement que, naba plénière, nyonso, o et salemi, huit. Pour ba expliquer, ba solo laga, comme est-ce que ba ko défambon. Huit plénières, s'il vous plaît. Et je ne pense pas que prince Kinana, qui est Mbosso en miniature, a coquille que ça la nini qu'on contredire Makambo ou en azoloba. Mais comment est-ce que même, baké ko de pa bambongo, ti et pas bakambiste? Nanini ou yo. Mais je vous dis, baké ko bazo de fana ba 3 millions de dollars, na ba 2 millions de dollars, na ba 1 million de dollars. Batou aux au monde. Alors, Herba Bandaki plénière, c'était le 15 mars. Il a été retenu 90 matières y a qu'au traité. Mais na kati ya 90 matières selon calendrier ndenge pesamaki ba salika ka 20 matières au ba traité. Et beaucoup na ke ezalaki spectacle moko désolant na session ordinaire au outil ko leka ya mars. Tout ce qu'ils nous ont amené ces gens, c'est quoi na session au ba loi ya ba mbwa ko lia mboate ba loi moko bidon oyo Pepe Mbosso alingaki alekisa. Mais il y a eu de loi ba matière ya malonga alekisi yango te boyo kamagambo oyo ye moko Pepe Mbosso alinyaki. Il devrait d'abord parler ya revisitation ya contrat chinois annoncé par lui-même Pepe Mbosso, mais ça limité. Il devrait normalement que ça la makambu situation au Mbosso alobaki situation au pays ils ont traversé. Il y a les bosso sur le plan politique, sécuritaire, économique, social, naturel. Mais jusque là, sur le plan sécuritaire, quelles sont les ramifications au Assemblée nationale toba proposition au bango ba mema ki na session au. Ata mon côté, yami balé sur le plan économique. Et loko nini oyo bango Pepe Mbosso ensemble avec les députés nationaux ba memi ou bien de propositions? Aucun. Mais il fallait même que après point de presse ya Vital Kamerhe ba bengisa même Vital Kamerhe aya wana a expliqué bango comment est-ce que nini ba vicher oyo zoko la mikolo nyonso. Pourquoi est-ce que dollar na biso eza instable jusque là? Pourquoi est-ce que biloko zo matami kolonyon son? Mais ça limite pourquoi? Parce que bangonyon so bazana kati ya présidium ya union sacrée. Vous savez comme moi que ba député ba komi ba sige ya insulte ceux qui balingi ba contrôler secteur moko X ou Y. Ya ngono zo mona ke ba misala nyon so gouvernement azo sala. Ba yebisanga kele se travail na ba projet gouvernemental nyon so zo salema ba député ba zo contrôler yango. Tout ça au nom de l'union sacrée, ces gens ont accepté yako affaiblir ba député na kokunda mboka oyo. Et deuxième cas, Mbosso abandé ko fistiger persistance ya insécurité oyo ezo tcha a mal même processus électoral. Mais insécurité, vous connaissez tous. Awa, il y a que je vis dans des réseaux sociaux, awa côté à Maluku, on tue le chef coutumier au jour le jour. Babomi chef coutumier, babomi na bananae, côté ya nini ya ba Congo awa, na Congo central. Ba utaki ko kanganzela, ba botoli batubiloko par des bandits oyo to yebite. Peter Kazadi,
Aouta ki gosala annonce na conférence de presse na emoko alobi ke amoni batu moko non identifié côté ya Congo central. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire appel à Peter Kazadi qu'il vienne quand même expliquer sur le plan de défense? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était des dossiers, des matières à traiter. Mais ils n'ont pas traité ces matières. Pourquoi? Parce que l'Union sacrée, dans son ensemble, cherche à tout prix comme Mambo Kanabiso na Kati ya Kao. Et si Pepe Mbosso, dans son discours, comme nous venons tous de suivre, il dit que Azo se sentir à l'aise, pe Azo mon réussite. Mais sur les 100, sur les 90 matières à traiter, vous n'avez traité que 20. Travail est accompli dans le secteur Nini. Merci. Donc, na kati ya calcul na ye, Pepe Mbosso. Par rapport ya calcul na ye, ye moko kakanda monique matière wana nini. Merci Floris. Je rappelle rapidement 90 matières retenues le 21 mars, na ouverture, 9 matières non législatives, 3 textes transmis na Sénat, 57 arriérés, 20 nouvelles matières, au fait 32 plénières en 3 mois, 4 na mars, 11 na avril, 9 na mai, 8 na juin. Alors finalement, Mbosso dira aux députés d'aller na ba base na bango respective pour na représenter le bilan de la présente législature. Alors Cédric, quel est ce bilan Oyo ba député ba koki ko kende ko pesa na ba base na bango? Est-ce que ça un bilan positif ou un bilan négatif, parce que il est l'heure maintenant? Merci Ndeko Jacques Dick. Vous savez, ce qui tobito ça la bilan ya ba parlementaire, il faut tout se conformer toujours à l'article 101 où ils allaient ko définir article 100 plutôt ya constitution et ceux allaient ko définir ma mission parlementaire. Mais ce qui est obligé d'évaluer en un sens d'une manière globale, je dirais que le bilan de l'Assemblée nationale est positif. Mais dans un sens parti, si c'est obligé de singulariser à tout et chacun, je dirais que le bilan est négatif. Alors positif, non, nous n'en positif, pourquoi? J'ai dit par rapport aux matières traitées, depuis que cette Assemblée est mise en place, différentes lois aux qui votaient, ce sont des lois qui répondent quand même aux besoins de la population. Entre autres, il y a eu des lois de programmation militaire. C'était question dans un secteur où ils ont touché la sécurité en Boka. Tu es kokende, ma mission parlementaire, on a enregistré au cours du mandat, il y a un ministre qui est tombé. Ministre de l'économie. Jean-Marie Calme. Tu es kokende, aujourd'hui, il y a un DG, il y a Snell qui est parti. Là, c'est quand même l'efficacité de l'action parlementaire. Dans le sens d'une manière... Oui, globalement. Nous voyons quand même, il y a eu des avancées. Mais s'il faudra tout mekako singulariser, à part il y a tout et chacun, je dirais que beaucoup de députés n'ont pas donné des réponses favorables à Nabato Bavotakabamo. Le pourquoi? Aujourd'hui, nous avons des questions sociales, comme évoqué mon ami Flori Béa. Des questions liées au cadre macroéconomique. On n'a pas vraiment senti les poids des parlementaires initiés de réformes valables en ce qui concerne les taux d'échange, parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a les flambées des prix. Aujourd'hui, nous voyons, il y a par exemple dollar, taux fixe dans les alités. Du jour au jour, nous voyons, il y a des augmentations. On n'a pas tenu ce qu'on a eu plus de propositions, aux populations, les projets, les propositions déposées au niveau de, de l'Assemblée. Raison pour laquelle je donne même raison au président, par exemple, quand il a parlé, dans chaque session, on tient toujours compte qu'il y a la priorité. C'est même conforme à l'article 117 de la Constitution d'Aviso. On ne peut pas traiter toutes les matières dans une session à 3 mois. Parce qu'il y a des matières qui peuvent prendre, par exemple, 2 ou 4 séances, il y a la session parlementaire, il y a la convocation. Par contre, pour convoquer, par exemple... Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de discipline? Parce qu'on a suivi Geneviève Yenagossi, députée, au Azolobake, toyé 11 heures. T'as commis 20 heures, bureau dans le comité. Tu vas y être. Donc là, est-ce que les appels pour il y a discipline, t'es né ça, Lili Amoussala? Là, c'est on question. On vient en retard, mais on va respecter le programme. Là, c'est question, ça fait partie même de l'éthique. Là, ça demande chose, de tout échanger. Et ça, qu'on dépend, il faut savoir aussi que le président de l'Assemblée nationale, c'est un dépositaire des questions d'État. Il n'est pas, il peut avoir qu'à convoquer plénière à 11h juste, il se présente à 14h pour d'autres questions d'État. Là, c'est justifiable. Même il y a ceux qui n'ont pas il pouvait aussi avoir l'urgence de l'État. Oui, ça, là, qu'il y a un retard à mon boisson.
Toyeko kende par rapport à la priorité. Il y a certaines lois au stade actuel. Et sa priorité était d'abord pour la convocation. Il y a session parlementaire dans la journée. Moi, je suis à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Chez nous, ça nous coûte, par exemple, 10 000 $, 11 000 $ pour convoquer une journée. Maintenant, même on a un niveau de l'Assemblée nationale où il y a 500 députés. Ça va demander combien? Non, c'est beaucoup d'argent. Non, cela prouve qu'on ne peut pas se focaliser pour des questions aux alliés. Les alliés. Prioritaire face à des questions d'État. Raison pour laquelle il y a d'autres, qui sont toujours sous forme arriérée, qui sont traités en haut prochainement. Mais au stade actuel, il faudra établir un bilan. Moi, je pense que les bilans de beaucoup de députés nationaux sont négatifs. Merci. C'est là. Voilà, c'est la question d'ailleurs que n'a posée parce que Christophe Mbosalobi, ben, allez vers vos bases respectives justement pour parler de la présente législature en termes de bilan. Mais est-ce qu'on a l'impression la législature depuis 2018 qui n'ont 2023, 5 ans, que chacun des députés à servir valablement nationaillé. Et j'annonce que pour les députés nationaux élus à Moamba, Daniel Safou, ben, une mesure, et Zomi, parce qu'il y avait une commission instituée pour na canaillé, alors, bah, le rôle est bah, immunité. Alors certains disent que c'est presque une exclusion camouflée, parce que ben, c'est fini. Il y a Rosongaté pendant toute la durée, il y a session Zakoya, hors session Opeza, il y a Souka. Donc rendez-vous, car on a campagne électorale, Mbalamoko. Est-ce que chacun des députés a réellement joué son rôle? Naroluba, Mbalamoko, Nazana gauche, droite, Narokendete, les députés n'ont pas joué leur rôle. Comment? Parce que ceux qui ont député Lélo Toro Lobageno, ont joué leur rôle par rapport à Moussala ou au peuple, à Pessaï Bango. Responsabilité, il y a des députés, ils ont contrôlé Moka, les ministres, les ministères, les ministères, les ministères, les ministres, les ministères, les services à l'État. Mais regardez dans les cas où nous sommes. Combien de ministres ont détourné Mbongo à l'État? Est-ce que les députés ont interpellé Bango? Et Longondo avait eu les frais liés à Mbongo à COVID-19. Les députés sont où pour interpeller cette personne pour mener une enquête? Et là aussi, ils ont part la responsabilité, il y a IGF. Ils devaient nous dire Mbongo Oyo et Sengelaki pour le coronavirus, combien? Et Sali Moussala Nini, on doit présenter ce travail au Mbongo et Sali. Les députés n'ont pas joué leur responsabilité. Tozongi les sous-sous. Regardez les frais liés à Mbongo à 100 jours. Et Keka Kaboui, va porter, comment on l'appelle, le monsieur de l'INC, Kamere, va porter plainte, voilà, va kangiye. Mbongo et monanité, va koti moutouna kacho, moutouabimi. C'est un travail des députés pour la relouga repèse éclaircissement. Qu'est-ce que cet argent-là a fait par rapport au service qui a été demandé? Tozongi les sous-sous, na Mbongo Yaram avec monsieur Kiba Samaliba. Il a été interpellé, non? Il est interpellé. Est-ce que Mbongo Zongi? Mbongo nyonso oya zoaki a escroqué peuple. Dans des pays civilisés et sérieux, Mbongo nan il faut ezonga. Ceux qui Mbongo ezongite, on procède à la confiscation de tous ses biens et il faut cela 10 ans de prison. Est-ce que les députés Basali Moussala Nabango, ils n'ont pas fait leur travail? Les députés aujourd'hui, moi je vois, bah grand frère, on a banaï qu'on respecte, mais on a banaï qu'on tient la peine à monter maintenant. Ceux qui sont juste génération à Bourguignon parlement, c'est qu'on aura un changement dans notre pays. Bah Eliezer, bah Mike Moukebaï, bah Daniel Safou et tous les autres. Aujourd'hui, ils sont au parlement. Ils sont corrompus par le régime de Félix Tshisekedi. C'est quand même fort. Corrompu. Mais c'est quand même, oui. On ne sait pas le démontrer dans l'émission. On ne sait pas le démontrer dans les émissions. Alors, t'as trouvé terme. Moi, je fais à Port-de-Bois. T'as retrouvé terme, Moussous. Bah, Pessi Bango, bah, 21 000 $. Député, Azo recevoir 21 000 $. Salaire, il y a soldat, ils allient combien? Salaire, il y a policier, ils allient combien? Salaire, il y a enseignant, au hasard, qu'on enseigne, moutou, pour comme député, à comme président de l'Assemblée nationale, pour à comme président de la République, ils allient combien? Salaire, il y a ma professeur, ma université, ils allient combien? Mon frère, c'est trop dangereux d'avoir en face de nous des autorités pareilles, des médiocres. Bisous toi, ma jeune, toujours prétendre qu'on dirige Mboka. Mais tant que tu es dans le plateau, qu'on défendre ma incompétence, il y a ma grand frère, Nabiso, tant que tu es toujours à toujours soutenir, alors moi j'en appelle à la population congolaise de rester toujours vigilant parce que nous sommes 75% il y a des jeunes au bas pour représenter la population congolaise. Mais au lobby que aux a déçu la génération bazan na parlement sikoyo, mais j'allais te dire bah hier a rendu wana parce que bateau bazan na parlement to yamba bangoka na plateau bino bofandi ah bah hier a rendu yo sur le discours mon quoi un peu mais sec tout ça, mais finalement sur le bas côté n'a pas dit on ne sait pas hein, sur les marécages ou quoi, qu'est-ce qui se passe n'a pas dit du peuple. La chose qui se passe est celle-ci. Avant que ceux qui ont tangi l'article 91 de la constitution, la Constitution nous dit ceci. Constitution est le Biboué.
Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Le gouvernement conduit par la politique de la nation, la défense, la sécurité et les affaires étrangères sont les domaines de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Le gouvernement dispose de l'administration publique, des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité. Okay. C'est-à-dire que Makambona Isaac Emane, gouvernement Isaac composé premièrement à Mokonza Mboka, président de la République, n'a gouvernement. Ensemble, les cours et tribunaux, tous ces gens-là, ils doivent au préalable avoir un programme ou des programmes dans chaque secteur. Merci. Avec on a plus élu, pris individuellement. Il y a un autre côté sur place. Ouais. Là. Il faut avoir un programme dans chaque secteur. On va diriger pendant 5 ans, on va passer mon mandat. Alors, lorsqu'ils auront un parlement, on va instruire ces parlements-là, on lui dira, voilà priorité à gouvernement Nabisso, sur le plan sécurité, les abouilles, sur le plan social, les abouilles, sur le plan économique, les abouilles. Bino va député, vous êtes censé, vous en rigueur, vous êtes ministre, pour que tu accomplis une mission, vous êtes toujours la poussée en haut. Mais est-ce que le gouvernement en place a présenté son programme sur le plan politique? C'est quoi son programme sur le plan économique? C'est quoi son programme sur le plan sécuritaire? C'est quoi le programme de M. Félix Tshisekedi et son gouvernement sur le plan social? C'est comme ça que le gouvernement n'a pas un programme axé dans plusieurs secteurs. C'est comme ça que le député, Yéwana, a le bien d'accord, du fait qu'on n'a rien à faire, on n'avait rien prévu pour travailler dans les services d'État. Merci Blanchard. Bah, Pessi, bah, mon 21 000 dollars, beaucoup d'amis encore. Bah, Pessi, bah, mon 10 palissades. Mais sachant qu'il y a des secteurs très importants qui chôment aujourd'hui, par exemple, dans le secteur enseignement. Qu'est-ce que vous avez dit? Les enseignants ne sont pas payés, mon frère. Mais les députés obtiennent 21 000 dollars. Bazo Kenderoula en a parlé. Merci Blanchard. Ça veut dire pour citer que chaque personne qui veut diriger le pays, il doit nous présenter c'est quoi son programme sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan politique, comme le gouvernement actuel. Moi, je demande aux députés. Ça s'appelle offre politique. L'offre politique. Moi, je demande aux députés d'aller dire au peuple qu'ils nous sensibiliser le peuple. Merci. Ils doivent présenter au peuple quel a été leur programme d'abord, réalisation d'abord, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan sécuritaire. Bah, député, bah, le programme non, il ne faut pas qu'ils nous relaxent à Makambo, bah, saline. Merci. Non, gouvernement. Alors, je prends rapidement avant, Prince. Le député Israël Daniel Lomba Oussoukissa fait lecture du rapport sur base duquel on note que M. Kaoubira Mirindi a remplacé le député Enerunga Vunda en Selme de la circonscription électorale de Kalehe. M. Katumba Kabango en remplacement du député Milolodi Bondo Zobel de Chikap a décédé. Madame Munimba Limba Mahangu à la place de Munimba Limba Duvira invalidé. Monsieur Bikoke Bolomelenge Victor à la place de Likinda Fidel Dikela décédé, Madame Tamboy Yolande à la place de Papi Nyango de Bandundu invalidé, Moma Boko Polin, président Yaba Blanchard, à la place de Adolphe Mouzito de Kikuit invalidé, Monsieur Moulanda Moulande Guy en remplacement de Mova Sakani Henri de Lukunga invalidé, Madame Monga Massimo Lili en remplacement de Mouchobe Kwalikoulia de Kabaré invalidé. Et voilà, Ndenge ba remplacement et Salemi na niveau ya Assemblée nationale. Mais Ndeko Prince, Nangana Tounayo pour la bilan et législature, mais je me dis, est-ce que vous allez gêner pour le péché, entre guillemets, originel, il y a bascule, il y a majorité. Et le Rwanda, et Tika Batuapia FCC n'a pas de makasien, hein, parce que chaque fois, sur le plateau, il revenir sur Yango. Est-ce que Mosso ne se gêne-t-il pas, bascule et Salemé qui en cours de législature, est-ce qu'ils a fondé? Il a d'ailleurs sauvé les mandats des députés nationaux, il a sauvé cette législature. Ah bon? Qui sauf Mosso. Et les sauveurs de la stabilité institutionnelle. Parce que le schéma où Mme Mabunda, Janine Bandago, Mabissona, Alexis Tambo Mamba, c'était à Kokota en conflit institutionnel. Où il n'y a que même chef de l'État, à dissoudre le Parlement. Il fallait un sauveur. Et ce sauveur, c'est question de Oumouni, vous êtes un professionnel des médias. Est-ce qu'un journaliste peut être membre d'un parti politique? Voilà, membre partisan. Non. Tu t'adresses à moi? Je suis le seul journaliste. Et journaliste, il travaille dans APIC et il est aussi membre à Nouvelle-Élan. Il s'est présenté ici faisant la louange. Ça, c'est l'incompétence.
démontrer de quoi est-ce que vous êtes capable d'entrer dans. Est-ce que vous avez des preuves? C'est vrai. C'est pas... ça le régime de tout ce qui est. Tout ça, il voilà. Incompétence, matière résultée. Ok. Le problème, c'est quoi? Vous savez, il y a trop de quado dans ces pays. Les gens supputent. Au moins, même quand les gens parlent, blablabla, Eteni Longondo, il devait être convoqué par le Parlement. Mais cette fonctionnalité, Eteni, et déjà, le Longondo est comme ministre. N'est-ce pas? Même au tout Nimrambo, il a dit on vient à 11h, plénière au Banda, 20h. C'est parce qu'au moins, il y a des gens qui pensent que nous sommes dans un État non-État. Un État est régi par des principes et textes. Article 69, règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'Assemblée plénière ne siège qu'à la majorité de ses membres. Absolue de ses membres. Donc lorsque le quorum n'est pas atteint, attendez, il n'a pas besoin qu'il 5 heures. Sur les 500, vous avez 100 députés, Christophe Mosso, en contact avec le protocole, bien sûr, tant que vous avez un président, il n'y a que 100 députés. Bureau, vous avez un peu de quorum. Ce sont là les textes. Parce que ceux qui ont pour satisfaire le meurtre, ces humeurs, il y a battu. Le bureau vient, la majorité absolue n'est pas atteinte. Babandi, quand on va crier dans ma plateau de télévision, il y a eu. Quorum. Le quorum n'a pas été atteint, on a violé les règlements. Pendant qu'on est député, on a voté ces règlements. Moi, je dirais que coup de chapeau à cette législature. Parce que surtout qu'en termes de session, ce n'est qu'un in globo, au moment où la législature a beaucoup travaillé, surtout depuis l'avènement, il y a Bureau Mbosso. Le bilan est vraiment positif. Hormis la stabilité, vous voyez, Libisso, c'est la première législature où on connaît en Bogan Abisso, en une session, on a travaillé à plus de 67 séances plénières. Session passée. 67 séances plénières. On a eu la plénière la plus longue, où il y a 11h et qu'est-ce qu'il y a 2h. Christophe Mbosso. D'abord, si je dois aller, depuis que Christophe Mbosso est venu à la tête, il y a chambre basse du Parlement pour aider le gouvernement et l'institution présidente de la République par rapport à la défi Otokutaki. Sur le plan sécuritaire, il a opté pour la diplomatie parlementaire. C'est comme ça que vous allez le voir qu'il accompagne l'institution présidente de la République et le gouvernement dans cette agression. À travers ma mission diplomatique, ma voyage diplomatique. Mais tu l'appelles sauveur, on l'appelle le. Nabengye sauveur loliste. Non, il a lui, c'était moi. Patemona Djalé loliste, vous appelez ça comment? Sauveur, pourquoi? Il a sauvé le mandat de toute une institution, en conflit avec l'institution présidente de la République. Parce que le bureau Mabouna ne permettait plus que l'Assemblée nationale ait fonctionné normalement. Même Tobano qui est dans le schéma, au moins, même le Premier ministre a commencé à boycotter l'ordre du président de la République. Alors, ni t'étais l'avènement à Bureau Mbosso, le Parlement allait être dissous. J'ai parlé de la diplomatie parlementaire au niveau sécurité, parce que Batouniawa, sécuritairement parlant, qu'est-ce que l'Assemblée nationale a fait? La diplomatie parlementaire. Mais qu'est-ce qu'elle a fait sur le terrain? S'il vous plaît, on a posé ta question, oui. Il ne faut pas supputer. D'accord. D'accord. La diplomatie parlementaire a voulu que Mbosso accueille, voire même vers ces missions-là. Il est allé dans le Parlement belge pour dire que si vous ne nous aidez pas à terminer avec cette question, allez-y, parce que vous, nos partenaires traditionnels, nous allons changer de pôle diplomatique. Il faut avoir du courage pour le dire. C'est un pas. Si le plan sécurité est toujours basongi, car à l'Assemblée nationale, ils ont doté une loi au pays qui n'a jamais existé depuis 60. La loi de programmation militaire qui permet d'engager des réformes profondes dans l'armée armée Nabissou. Dotant l'armée un budget conséquent réel par rapport aux acquis n'a pas tant passé. Parce que les gens viennent chanter ici, ils parlent des émoluments des députés qui est pris une globo. Ils ont un salaire et ils ont une commission pour sanctionner au pays sur 21 000. Et puis on est les députés tous 21 000. Est-ce qu'un député qui ne travaille pas en commission aura 21 000? Ça, c'est un autre débat. Mais ma veuve militaire, il n'a pas de coup au front. À qui vous donniez 30 000 lorsque vous fûtes Premier ministre? L'autre, c'est à qui président de la République, par exemple. Là, j'ai demandé à Samoundé, les effleuris, l'autorité morale. Mais nous venons, ma veuve militaire, on a triplé, quadruplé, quintuplé en moins les sous-sous. 400 000 barres aux la gratuité d'enseignement qui était acquis aujourd'hui, où il fallait rendre l'accès à l'éducation accessible et gratuite pour tout le monde. Bayanan. Les mobilisations à la recette au niveau du gouvernement, c'est le Parlement qui contrôle. Ils disent qu'il y a un député qui est dans la mission téméraire. Renseignez-vous. L'Assemblée nationale a travaillé en toute responsabilité. Surtout dans la loi hautement politique. Sans à ce que le sang coule.
attends pour manisa c'est bétaté. C'est là requis il y a délicatesse moro dans la gestion dans le savoir faire moro ya magambu ouais. C'est cette sagesse là ya Christophe Mboso. Alors justement to komina souka mena lingina pesa biso no so maloba to répondre la question ya législature oyo est-ce que il y a eu des réformes. Parce qu'on peut changer la morphologie d'un État par des propositions de loi. Mais est-ce qu'on a senti que l'État, couleur, teinture, yassika, avec des propositions, est-ce qu'il y a eu des réformes rapidement parce oui, que merci beaucoup. Je savais que ce qui est commis n'est pas. Prince oui, Mboso à miniature, et que Zalaka Kabongo. Maintenant, moi, je pose la question. Non, n'engue à balbutier. Alors, moi, je pose. Oui. Balbutier. On vous explique les termes parce que dans le fait, s'il vous plaît. Tout ça, le temps. Pour le big Mboso, ça meilleur. Maintenant, moi, je pose la question à Pépé Mboso. Comment est-ce qu'ils ont voté un budget de 16 milliards de dollars, mais la monnaie nationale continue à perdre sa valeur? Avec une réserve d'échange, il y a 16 milliards, il y a 7 milliards de dollars. Ça s'explique comment? Même le dernier jour, lobby n'est pas le jour de Bango Yasuka. Il y a une ratification, il y a un accord de crédit. Oui, lobby Yazawana, il ne va pas me contredire. Aujourd'hui, calme-toi. Calmez-vous. Moi, j'ai l'ordre du jour appelé. Non. Calmez-vous. Tu as dit que. Non, c'est monsieur. Florie, oui. Monsieur. Kokantate que soko fandimbo soit son belio ordinateur, ozoko mabikoma, koma yangwano komi meilleur. Non. Alors, je viens pour te dire ceci. Aujourd'hui, sous Mboso, hein, la République vit de fonds de contrepartie. C'est-à-dire quoi? Mbo cannabis au Congo et comme il vivre en abadon. Nengen de Kwantoana Kendaki, Chine, va payer 1 million de dollars. A Zongi Nango, va payer. Mbo cannabis actuellement, ils ont vivre en fonds, il y a contrepartie. Badon, va comme il kabela, biso, loko la ban étiquet. Et vous allez dire que non, Mbo soit meilleur na transhumance. C'est ça le rôle naïe ya qui meilleur naïe. Maintenant je viens. Alors réforme. Oui. Est-ce qu'il y a eu des réformes? Non. Bah réforme est ça limité. Réforme est ça limité. Je vais dire à mon frère à côté que Cédric à côté Neronanga à côté que dans la gestion de la res publique, nous sommes à la priorité. La gestion ya mboka nyoso ba secteur nyoso ezalaka priorité raison pour laquelle na répartition ya budget ezalaka vraiment équitable avec beaucoup d'équilibre pourquoi parce que ba yebi ke nyoso ezalaka priorité maintenant la question reste pendante combien de fois tozo décrier ba dépassement budgétaire mais parce que quand on vote les budgets n'est-ce pas que comme la loi. Mais dépassement et budget, n'est-ce pas que ça violation c'est grave pas une infraction. Non, c'est une infraction, monsieur. Ce n'est pas une infraction. C'est une infraction. Ce n'est pas une infraction. C'est une infraction. Ce n'est pas une infraction. Monsieur, c'est une infraction. Ce n'est pas une infraction. Non, c'est une infraction. Oui. Toute violence, il y a loi. Toute violence, il y a loi. Et ça, au même titre, il a violé moi, Nana. Même titre, dépassement budgétaire, il y a violation, il y a loi. Et c'est une infraction. Maintenant, nini na gestion oyombo soza likolo, ya institution ya mbo ya nini ya assemblée nationale. Combien de fois tomoni ba dépassement budgétaire? Merci. Ça on n'en parle pas. Tout ce qu'il a fait, d'abord oyebike à chaque fois que ba invalida ka ba député, ba violaga article ya droit de l'homme, ya droit de défense. Parce que dans ce temps de trotté, question j'ai dit sur ma réforme. Donc, il n'y a pas eu de réforme. Alors, Cédric, est-ce qu'il y a eu des réformes? Mais c'est un peu, il y a un peu de valeur ajoutée ajouter dans le fonctionnement, il y a un peu de cannabis. Avant de répondre à Ndeko Jacques, nous avons d'abord rencontré Ndeko Nangami Balé, Ndeko Flori. D'abord, en ce qui concerne le budget, le budget a ses principes. Le budget a un principe annualité, unicité budgétaire, puis la priorité budgétaire. C'est-à-dire il y a toujours des priorités. Là, c'est la notion. C'est en droit, dans la cour, il y a
y a des finances publiques, G1, soit G2-3. Qui est-ce que tu as bien? Papa journaliste. Papa journaliste à Nouvel Élan. Papa journaliste à Nouvel Élan. D'abord, quand vous parlez des programmes du chef de l'État, le chef de l'État n'a pas un programme. Le chef de l'État a un programme pendant la campagne électorale. Nous avons un exécutif bicéphale. Très bien. C'est dualiste, ça se justifie en quel sens? Nous avons les gouvernements, l'émanation, il y a parlement, et puis le président de la République, émanation populaire. Conformément à l'article 91, pour faire plaisir, pour créer l'équilibre institutionnel, raison pour laquelle les chefs de l'État s'associent avec les gouverneurs pour former, avec les premiers ministres, pour former les premiers ministres à composer un programme en concertation. La concertation, c'est pour que l'équilibre dualiste entre l'exécutif, premier ministre et le président de la République. Il ne faut pas venir avec des notions que vous ne maîtrisez pas, Nekonangaï. On a dit, d'abord, le gouvernement Félix n'a pas présenté un programme. Le programme adopté au niveau de l'Assemblée nationale, voté conformément à l'article 90, article 100, 146, c'est obéi à la disposition. Programme, c'est quoi ce programme? Oh, mais c'est des lits. Comment un gouvernement peut travailler sans programme? Mais il est où le cas? Comment un gouvernement peut travailler sans programme? Mais il est. En ce qui concerne des réformes, Ndeko, on a ainsi évoqué. D'abord, la loi, c'est la programmation militaire. Merci. C'est pas une réforme. La loi, si, excuse, je reviens. Aujourd'hui, nous avons des nouveaux magistrats. Ce n'est pas une réforme. C'est-à-dire, parce qu'on a connu qu'un corps, l'appareil judiciaire est malade. Parce qu'en appareil judiciaire, nous avons l'offre et la demande. La population, quand va saisir la justice, il y a une demande à former là. Ils attendent des réponses. Quand il n'y a pas de magistrats de qualité, quand aujourd'hui on essaye, il n'y a qu'à rajeunir classe où on est magistrat. Il y a magistrat, ce n'est pas une réforme. Parce qu'en matière de réforme, nous avons la réforme scripturaire, nous avons les réformes fonctionnelles. Tout ça, ils ont la carte en matière de réforme. Vous voulez quelle réforme? En ce qui concerne de réforme, aujourd'hui, quand on essaye dans chaque secteur, dans l'administration publique, vous avez vu comment les ministres Eliaou essayent de faire des réformes en réforme tous les jours. Ce ne sont pas des réformes. Vous voulez quel type de réforme? Merci. Alors, Blanchard, oui, est-ce qu'il y a eu des réformes? Merci, merci vraiment, Ndeko. Ndeko, quand on parle, il a reconnu que le chef de l'État n'a pas un programme. Ça, c'est une bonne chose. Oh, il y a qu'à féliciter, à reconnaître que le chef de l'État n'a pas un programme. Il y a qu'à ce qu'on a à parler, parce qu'ils ne sont pas issus des classes politiques qui les forment. Avant, comme un politicien, il faut que les politiciens qui maîtrisent l'administration, qui ont déjà géré et qui ont un parcours et une expérience avérée. On vous apprend comment les programmes doivent exister, comment on gère. On doit avoir. Lisez l'article 91 de la Constitution. Les présidents de la République et les gouvernements, avant que Bangoba Kota na Mbaba na Moussala, va présenter un programme. Mais c'est le dualisme. Attends, sur le plan sécuritaire, je ferai ça. Sur le plan économique, on fera ceci. Sur le plan social, on fera ça. Et sur le plan politique, je ferai ça. Le gouvernement, tu sais qu'il ne nous a pas présenté un programme pendant son règne. S'il vous plaît. Moi, je n'ai pas besoin de dire. Mais non. Mais non, monsieur. Cédric Flori, vous dérangez. Madame Nazana Maloba. Deuxième chose, il ne faut pas apprendre que le programme EP Samara avant Moutoua Kota l'investiture. Alors parlons de réforme. Le présent, non, le oui, parlons de sur réforme. Les réformes. Moi, je parlerai s'il y a des réformes. Oui, on ne peut pas refuser. Il y a quelques avancées significatives qui se font quelque part. Parce que Toros a la quand par même. Exemple, par exemple, dans la fonction publique, normalement, on a une réforme sur la relève générationnelle. On a un niveau, mon souci, quand même acceptable. Mais dans d'autres secteurs, bah, réforme, mais ça, quand un niveau, on a des réformes, il faut que tu aies un niveau éducationnel. Mon tu as reconnu ma performance. Oui, c'est comme ça. On a reconnu les performances que le gouvernement en place et ça sur le plan économique. Mais à reconnaître, il y a un pourquoi. Et c'est là qu'il manière, nous avons reconnu le peuple congolais, les soldats, les policiers, les magistrats, l'État, les enseignants, qui ont fait la mise sous.
gouvernement oyo asaye déjà ba croissement budgétaire rebelé a menti ça ba fonctionnaire salaire. Ça c'est une autre étape. Ça c'est une autre étape. Mais déjà performance c'est déjà bon. Performance est abondée. Ceux qui te l'ont dit performance sur le plan sécuritaire. Bounagana a déjà une année déjà ba depuis ba rebelle à M23 ba boto la Bounagana. Sécurité à mon collègue à niveau ligne. Mais non, monsieur, attends. Sur le plan sécuritaire, c'est d'abord zéro. Quel tu sais qu'il y a ces pays. Aucun territoire de la RDC n'a été confisqué. Aujourd'hui, Bounagana a une année dans ma boca Bounagana. Aujourd'hui, Kiwanja entre les mains des étrangers. Aujourd'hui, Tala Sikoyo, salaire, il y a un fonctionnaire de l'État. Zonan, pas professeur. Ça, c'est sérieux. Bandeko, le bazar, qu'on supporte, bah, amateur, on va rebeller sa moka. Bateau, bah, format, bah, on a, bah, université, bah, professeur. Mm-hmm. Professeur, n'a député, n'a salam, salam, akas. Député, n'a soudan, n'a salam, salam, akas. Bah, réforme, on a besoin de rossin, à bango. Bah, zouka, bah, ça, l'équilibre sur l'écart salarial entre les députés. Mais c'est déjà fini. Non, c'est pas fini. On attend la leçon. Oui, bien sûr, de ma salle, y'a monté. Donc, toujours, ils savent, ok. Ils ont un bilan chaotique. N'a évité qu'à redéfendre, bah, amateur, le coup, la mosso, le coup, la tisserie, n'est pas redéfendre. Alors, j'ai un profond respect envers Adolphe Mozito. J'aime pas beaucoup les députés. Oui, parce que je connais qu'il a des réformes. Je termine avec toi les réformes. J'aime Mozito parce qu'il mène une opposition républicaine amenant des principes. Mais le problème, c'est quoi? Je demanderai à un propriétaire à chaîne à Pic à Benganaï parce qu'il a choisi la politique. L'invité à cause de la haie. Mais est-ce qu'elle est journaliste maintenant? Il y a un raccordement. Une réforme, c'est quoi? Pas à José Laïa, c'est là. N'importe qui a été journaliste, elle a le droit à proposer. Une réforme, pas de. Le champ balbutie ici. Floride, il n'y a pas de réforme. Il y a un raccordement qui est un raccordement. La réforme, c'est un changement. Une modification. Donnée. Un rétablissement dans l'ordre. Lorsqu'on vient, on désenclave le pays à travers une diplomatie mise au point par le président de la République et le Parlement. C'est une réforme. Hein, quelle est la diplomatie qui a désenclavé de l'amour de l'avion aux obéis. Lorsqu'on vient dans l'armée, on a mis la loi de programmation militaire. On fait des changements, il y a chaîne de commandement. Donc on dérwandalise l'armée, on extirpe les Rwandais au Bafori, on a le code Sato. Est-ce qu'il y a des Rwandais? Je t'apprends qu'aujourd'hui, l'armée est en train de nationaliser la nationalité. Alors, il ne faut pas tolérer mon pays. Peut-être qu'ils ne savent pas. Ils doivent étudier qu'il y a un dictionnaire pour consulter ce que signifie réforme. Okay. Ce sont des changements. Bah, changement, il y a une administration. Bah, changement, côté appareil judiciaire. Ce sont des réformes. Des changements qu'on est en train de faire dans le service. Lorsque, auparavant, on était en train de mobiliser les recettes. Mais ma recette, on est un euro monanate. Mouzito est un économiste parce quoi savant. Il aime t'en reformer, pas d'abord avec savant. Il a géré ses pays avec quel budget? Un budget de 850 dollars. Un amateur qui ne maîtrise pas la gestion du pays. Il voudrait d'ailleurs avec la dette publique. Quand tu fais la politique, Mouzito est un je vais apprendre au Congolais. Je vais apprendre au Congolais. Je vais vous apprendre au Congolais. Il ne maîtrise pas l'histoire. Il ne maîtrise pas l'histoire du pays. S'il vous plaît. J'ai donné la parole à la presse. Merci. Oui, je défends les compagnies de l'économie. Vas-y. S'il vous plaît. Zéla. Florie, je suis jaloux. Ça, grave, vous créez un deuxième plateau. Non. Hein? Ok, merci. Prince, à ceci. Merci. Alors, les réformes sont là. On est en train de refonder cet État. L'incivisme politique qui se vivait d'ailleurs. Aujourd'hui, les gens peuvent marcher, ils bafouaient les droits des Congolais. Papa, mais on est en train de civiliser les gens. Moi, il y a tout ça, les gens peuvent marcher. Qu'est-ce que tu dis, toi là, hein? On a vu Matata marcher. Aujourd'hui, si Florie se permet. Mais qu'est-ce qu'on a 8 ans?
Merci, au revoir.